foyer à la maison avec monsieur. Parce que 21 ans, c'est pas 21 jours, ni 21 mois. Oh, c'est ça, il disait, il y a 5 filles. Si je me comporte d'une manière anormale, elles aussi, elles vont faire. Elles vont copier sur moi. Donc, s'il y a un petit problème, quand les enfants sont là, on rentre dans la chambre, ah, on règle ça entre nous les deux. Vous ne réglez jamais les problèmes devant les enfants? Non. Ils savent même, est-ce qu'ils savent souvent qu'il y a des problèmes? Ils savent ou elles se rendent? Bon, la plus petite, elle, des fois, quand je suis dans la chambre avec papa en train de bavarder, elle rentre derrière nous. Maman, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il n'y a rien, il faut sortir. Mais pourquoi vous ne fermez pas la porte? On fait tout pour les protéger, en fait. Oui. D'accord. Donc, si on retient, on peut retenir quelque chose, Stéphie, c'est que déjà, tu règles les problèmes avec monsieur dans la chambre. Oui. On fait tout pour ne pas que les enfants soient informés. Oui. Et puis, arriver dans la chambre, comment ça se passe? Tu le laisses parler, il te laisse parler. Je veux dire, quelles sont vos méthodes? Bon, lui, c'est un homme qui n'aime pas parler. Bon, quand on rentre dans la chambre, si c'est lui qui m'a enfoncé, je suis la première à lui parler. Mmh. Et puis... Ah, j'ai pas aimé ça, ça, voilà. Ça. Bon, moi, c'est, tu lui fais souvent des surprises à monsieur. Parce que c'est tout ça aussi, hein. Faut chercher ton bon nom. Si c'est ça, il n'y a pas de problème, je lui fais des... Donc toi, tu fais tout ce qui est bon, qu'une femme doit faire. Parce que moi-même, je suis couturière. Ah, regarde, ton habit est joli. Hein. Donc tu coudes des petites choses pour lui, bien chic, qui porte, c'est joli. Oui, la chemise, oui. Il fait ça, mais il ne sait pas. Ça, il dit, il ne sait pas. Ok, maman. Donc, qu'est-ce que j'attends? Non, ça va aller. Ça va aller. J'espère. Bon, ça va aller, Dieu est grand, ça va aller. Il ne faut pas écouter Stéphie qui va graver pour toi. Ah, il y en a un qui a fait ça, oh. Et puis, bon... Ah, Stéphie! Oui, il y en a un qui est très connu qui a fait ça et puis, ah. Et puis, ah, quoi? Malheureusement, quand il a fait là aussi. Il a fait quoi? Le mariage après 30 ans. Hein? Et puis. Maman, il a fait? Il a fait et puis, un et quelques après, bon. Stéphie, qu'est-ce que tu dis? Je l'ai rappelé. Non, ah, ça ne sera pas son cas. Non, non, je ne dis pas que. Okay. Voilà, mais. Maman, bon, il a fait 30 voilà, ans. Donc, sa femme n'a pas pu profiter aussi du mariage. Tu vois, il faut faire vite. C'est ça qui n'est pas bon. Vite. Il faut faire vite. D'accord. Donc, il a compris, va faire. Mm-hmm. Quand femme veut t'attacher, tu as un problème, tu as. Alors, maman, on a fini l'émission. On a fini l'émission.